Bonjour. On est parti pour un nouveau let's play. Encore, toujours, toujours plus. Cette fois-ci, il est temps de boucler la boucle. Et d'enfin finir cette trilogie des Tomb Raider. Après avoir fait Tomb Raider, que bon, j'avais déjà découvert moi de mon côté avant. Qui m'a permis d'ailleurs de réviser un petit peu mon avis sur ce jeu. Après Rise of the Tomb Raider, j'avais bien aimé. On est parti pour Shadow of the Tomb Raider. Avec une musique que j'aime beaucoup. Mais très sympa cette musique d'intro, de générique. Donc sans plus tarder, on est parti. Alors bon, j'ai la définitive édition, je vais avoir des tenues en plus. Voilà, hein. Sélectionnez la difficulté. Alors, rite de passage, rusée astucieux, obsession mortelle, à l'état sauvage. Décidément. Alors, bois de munitions sont rares. Non mais attendez, en fait, je peux régler chaque truc indépendamment. Ah par exemple, les casse-têtes. Non. Il n'y a pas très... Hein? Pas d'instinct de survie, Laura ne donne pas d'indice. Ouais non mais le problème c'est qu'on peut pas, on peut pas mettre très difficile juste pour ça. C'est dommage. Bon alors attendez, on va mix-ed. On va mix-ed je pense. Ah, pas d'instinct de survie, c'est peut-être chaud quand même. J'aime bien l'instinct de survie, mais... Là, c'est quoi? Mais là, le problème, c'est qu'on peut pas avoir genre, elle donne pas d'indice, mais l'instinct de survie. On va tenter en difficile, je crois qu'au pire, on peut modifier les options. Difficulté d'exploration. Alors, ça, on va pas toucher. Ça, on va pas toucher, on va aller ça en moyen. Difficulté du combat, c'est quoi la différence entre... Pas de régène. Pas de marqueur. Ennemis ont plus de vie, plus de dégâts, localise... Ah non, ça joue sur la furtivité, on va passer en moyen. On va mettre juste difficile là-dessus, tant pis. Écoutez, hein, voilà. On tryhard, mais pas trop, quoi. On tryhard, mais juste les énigmes. Et l'encodage, alors là, voilà, là, ça va être le jeu. Ça va être le test, hein. Je pense que le premier épisode, désolé s'il va y avoir des lags. Parce que malheureusement... Malheureusement, c'est ce que je crains. Et j'espère aussi que je suis du bon côté. Tandis que... Est-ce que vous voyez toute la fenêtre? On va voir. Shadow of the Tomb Raider a été créé par une équipe talentueuse mélangeant les genres, les origines, les ethnies, les croyances et les personnalités. Bien que cette œuvre de fiction ne soit pas inspirée de faits réels, elle a été développée en collaboration avec un historien et des consultants culturels. Cette diversité et ces collaborations attribuent à créer le monde que vous allez découvrir. Et qui que vous soyez, quelles que soient vos origines, c'est avec plaisir que nous vous y accueillons. Bienvenue dans Shadow of the Tomb Raider. Un casque est conseillé pour cette expérience. Veuillez attacher votre ceinture.
Un début classique de Tomb Raider. Jonah, t'es là? Jonah, je t'entends. Mais impossible de bouger. Ma jambe est coincée. Du calme, je vais chercher de l'aide. Non, je suis tout près des Trinitaires. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis là-haut. Ce sera pas long. Ok, on est parti. Après cette introduction, Lara in the sauce comme d'hab. Hein. Mais ça, on va être dans la sauce comme chaque début de Tomb Raider, je pense. Hein. Faible lumière. Ouais, escalader, oui, d'accord, c'est l'objectif. On a notre piolet. J'imagine que j'ai rien d'autre. Oh, je peux faire tab. Non, mais calme-toi, le jeu, calme-toi. Calme-toi. Forcément, on boite. Jonah, je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Les Trinitaires n'ont pas fini. Ils protègent quelque chose. Six semaines, et on sait toujours pas qui dirige la cellule locale des Trinitaires. Ah, ça y est. Mais j'ai parlé à des gens en ville. C'est l'ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour de mort. Un certain Dominguez. On devrait enquêter. Bon, on peut refaire ça, moi je suis content. Je pourrais refaire ma bêtise. Quand je voudrais aller vite. Faut que j'appuie sur eux là. Pas besoin d'appuyer sur eux. Ah ouais. D'accord. Alors. Ah oui, ça va permettre des escalades sympas ça. Trop forte là. Hein. Non, pas besoin d'appuyer sur eux. Est-ce que ça va s'effondrer? Ah. Jonah, j'y suis. Je suis en route. Je serai bientôt là. Désolé, je t'ai pas attendu. Sois prudent.
Il va se calmer le son. Bon, on va avancer. Hein. Ah non, l'encodage commence pas. Hein. Lara ! Oh. Mate un peu cet endroit. Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les Trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure ? Non, ça va. C'est quoi tout ça ? Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose ? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée, peut-être volontairement. Pourquoi les Trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher ? Lara ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Non, j'ai besoin de ça. Allez! Vite, cours! Dépêche-toi! Ouais, ouais, je cours, j'ai compris. Bon, l'encodage, il court aussi, mais... Si tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. T'y serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Jonah... Ça te dit de souffler un peu, on pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Et je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi ? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Voilà. Du nouveau sur le docteur Dominguez ? Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va ? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil ? Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 Maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier Maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé.
Les Trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue? Docteur, on a trouvé. Oui? Montrez-moi. T'as entendu ça? Voyons où il va. Hé, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Stylé comme tenue. Bon alors ouais, du coup, je vais en profiter pour en parler maintenant. Oui, attends. Déjà 2 secondes. Déjà 2 secondes, je vais toucher les options. Mais oui, genre, j'en profitais quand même pendant ce temps. Donc oui, ils ont changé la voix de Lara. Donc j'imagine d'ailleurs que si je fais audio, il n'y a pas une autre voix pour Lara. Mais voilà, on va mettre des sous-titres. Game dynamique. Ouais. Push to talk. Non mais il faut arrêter. Hein. Ah oui, non mais d'accord. Sous-titrage SM. Hein. Ok. Bon, très bien. Mais mode immersif. Oui, alors, on va peut-être éviter. Quoique, ça pourrait être... De toute façon, on a les sous-titres. Mais si les sous-titres, ils nous les sous-titrent dans la langue natale, on va tester. On va tester, on a les sous-titres, on va tester. Mais donc, ouais, ils ont changé la voix de Lara. Ah oui, non, s'il y a un autre truc que je veux changer, mais ça, je vais attendre, je vais faire une coupure entre. Mais, donc, ouais, bon, c'est vrai que c'est... Tu le remarques, surtout que la voix de Jonah, elle a pas bougé, quoi. Mais bon, ah oui, on a un mode photo. Oh non. Hashtag. Oh non, 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 au secours. Oh non, au secours. Comment on tourne? Non mais... Ah ouais, t'as... Le son est vraiment... vraiment réfléchi, hein. Selon où t'es, t'entends pas, hein. T'entends beaucoup moins, quoi. Mais elle est stylée comme ça, Lara. J'aime bien cette tenue, en tout cas. Oui, je suis sûr de vouloir quitter, ouais. On va pas rester dans le mode photo très longtemps. Donc ouais, je fais une pause et je reviens après. J'espère régler les soucis d'encodage. J'espère. Bon, voilà. J'espère que... Pas que ce sera mieux. On verra. J'ai mis le jeu en fenêtre à... non. Non, c'était pas ça. Ok. Ah non, elle veut pas aller là. Très bien. J'ai pas trop regardé si on pouvait voir le tract. Trijona qui nous attend en bouillant sa bière. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez? Il peut pas être loin. Il doit être quelque part dans la cour. Ouais. On va le chercher. Quelqu'un est forcément au courant. Salut Sammy. Comment ça va? Gracias, Jonah. C'est bon. Du coup, les sous-titres, ça, c'est bon. Mais par contre, comment ça va, gracias? Abras españolas, hein? Enfin, voilà. Je crois qu'on se comprend bien. Hein. Bon. Salut. A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Hola. Je suis sûr que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. Tu l'as vu alors? Non, on continue de chercher. Bon, ça va, parce que nous on leur répond en. En fait, le truc c'est que c'est immersif. Attendez pour le son. C'est immersif, mais juste le temps qu'elle réponde pas. Parce que le problème c'est qu'au moment où Lara elle répond et que les autres ils répondent quelque chose de où, en mode ils ont vraiment tout compris, tu dis soit ils sont complètement bilingues les... en face, soit bon. soit c'est. Voilà. Mais bon. Les plantes médicinales, ouais. Oh là. Au secours. Attention, la musique. Plus la musique. C'est marrant. C'est marrant comment on s'est fait. Par contre, le jeu est méga beau. Hein. Je pourrais en allumer un pour ma mère. J'aime pas vraiment la foule. Tu préfères les gardes tempêtes ou les immortels? Faire les gardes tempêtes ou les humains? Non, je survivrai. Ouais, les gardes tempêtes ou les immortels. Les gardes tempêtes, ils étaient sympas, je crois. Hein, à peu près. Bah, ouais, ils étaient vénères. Hein. Mais. D'accord. Petite cage de ressources. Permettez, hein. Permettez, je fais que passer. Hein. Je fais que passer, je pille tout. Oh, le perroquet. Ouais. Il me parle même pas, quoi. Les gens du coin ont l'air de beaucoup t'apprécier. Je les aime bien. Ils sont gentils.
passe. Jonah, il arrive à la porte. Je le vois. Ouais, ils nous attendent à la porte depuis un moment. Bien. Ne laissez personne me suivre. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Moi, je m'occupe de ces gars. Hey, les gars. Très discret, hein. Bien. Mais faut pas rester là. Dites-moi, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que... c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. Ouais, on dirait pas, je sais. Paix à son âme. Imaginons, on se fait repérer, il découvre qu'en fait, c'est au Pérou qu'il doit chercher. Et ça tourne mal. Ok, bon, en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. A plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. Merci, Jonah. Oh putain. Ah ouais, Jonah, j'y suis. Discret, hein. Ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter de quelque chose. Par contre, j'ai revu l'encodage passé là. Ça me va pas. Hein. C'est quoi, c'est des... c'est comment on appelle ça? Un lieu de recueillement? C'est des tombes? Un crématorium? Bon. En tout cas, il y a même des enfants. Donc ça va, c'est pas un lieu de la pègre quoi. Normalement. Excusez-moi. Enfin, pas que. Sacrée ambiance en tout cas. Hein. Pour l'instant, sacrée ambiance. Vous avez pris contact avec le conseil, commandant ? Oui, monsieur. Malgré le fiasco au Brésil, personne ne remet en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine arrière. Oui, monsieur. Tout le monde se tient. Attends. Hum. Nunca tuvimos nuestra luna de miel. Je suis vraiment désolé. Quizás haga el viaje por mi cuenta. Futur. Donc ouais, c'est complète. Ah mais d'accord, du coup c'est... bon, je connais pas du tout les rythmes au Mexique pour les morts, s'ils les enfin visiblement ils doivent les enterrer aussi. Mais je sais pas, ça m'avait l'air d'être je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais ouais. Ouais. Excusez-moi. Pardon. Après l'ambiance est lourde. Dominguez n'est pas seulement le chef. Je dirais que ça va partir en couille. Je pense que c'est lui qui est à la tête des Trinitaires. Faut qu'on fasse attention. Lara. Oui, c'est bon, je t'entends. Ouais, du coup, s'il est à la tête des Trinitaires, il y a encore moins de chances qu'on le chope maintenant, quoi. Ça va tourner mal. Ça va partir en couille. C'est sûr. Je sais pas pourquoi je vais là. Hein. Moi, je visite, hein. Je veux dire, voilà, hein, je profite de l'endroit. Ouais, pardon. Du coup, il a réagi parce que je l'ai touché. Ouais. Salut, hein. Salut, je suis de la fête. Disculpe, señorita. C'est moi. Bon, pour l'instant, non, ça va. On n'est pas arrivé encore en enfer. D'accord. Ah non, mais l'encodage. L'encodage, calme-toi. Voilà. Qu'un déclenché un piège au premier site. Sans doute Lara Croft. Stop. Ça va pas? Je veux des faits, commandant. Pas des estimations. Je vais m'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Oh bah t'inquiète, tu vas bientôt l'avoir, ta confirmation visuelle. Je vais être repéré. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin.
Quand même sympa les décos. Hein. Bon, il y a beaucoup de crânes, mais c'est sympa. Docteur, sont muchos de sus hombres. On n'est jamais trop prudent. Vous êtes bien aimable. Merci. Je dois y aller. On ne me voit pas, hein. On me voit pas, tout va bien. Je peux passer par la porte, non. C'est la première fois, du coup, dans les Tomb Raider remake qu'on passe par une ville. Oui. Dominguez veut savoir si Lara Croft est là. T'as sa photo. Une femme blanche, d'une vingtaine d'années. C'est compris ? Bien. Alors ? Ils la trouveront. Bien. Hors de question que qui que ce soit entre ici. MDR. Salut, hein. Ah. Oh là. Oye, fuera de mi oficina. Pardon. Cierra la puerta al salir. Ok. Complètement rebou, lui. Lo siento. Je reconnais, complètement rebou. Ne t'en fais pas. Vas-y, la jouer. Les découvertes sur le site sont tout simplement incroyables. C'est la clé de notre prochaine étape. C'est bien ça. Il a presque l'air d'un mec sympa, hein. MDR. MDR. À quelques détails près, c'est un mec sympa, hein. Oh, ça va partir en couille. C'est sûr. C'est sûr. Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Je vais trouver un autre passage. Pourquoi je peux pas me battre ? Je surveille le périmètre. Pourquoi je peux pas rentrer dans le tas comme un gros sac ? Ah ça y est, là je peux courir et tout. Personne dans le camion. Du tissu, balise objectif. Ah oui, l'instinct de survie. Non mais oui, mais... Bon ça y est, ça va partir en sec, c'est bon. Je peux pas me battre encore. Hein. Pour l'instant, on m'a pas appris à me battre. Hein. Allez, saute. Let's go. Oh là là. Ces changements d'ambiance là. Quel plaisir. Elle a assez déterre là. Hein. Ah non, mais reprends le masque. Hein. Bon, ça par contre, ça me va. Ces ruines cachent forcément quelque chose d'autre. Putain, il y a des ruines juste à deux pas quoi. Une pyramide Maya. À l'intérieur d'une sorte de caverne, c'est facile. Oui. Non mais le masque. Bon bah la discrétion, c'était qu'un moment quoi. Est-ce que je peux intervenir ? Ce serait bien que je puisse intervenir. Ouais, F. Dernière pensée. Stop. Attendez. Je représente le gouvernement. J'ai le droit d'écrire. Maintenant. Voilà. C'est bon, on va pouvoir le... On devrait pouvoir interagir avant. Pitié. Non. J'ai de l'argent, je peux vous payer. Ok. Je vous ferai pas de mal. Vous aidez les Trinitaires ? Ils ont trouvé quoi ? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. Bon courage, hein. GL. Chef. Jonah. Alors attends. D'essayer de tuer un archéologue. Oh merde. Il faut que je découvre ce qu'il cherche. Vous voyez, bon, il est presque sympa, quoi, le mec. Hein. Bon, à part le fait qu'il tue des gens, ça va, quoi. Ah ouais, voilà. C'est C et C et baf. Oui, appuie sur A pour mettre en surbrillance. Oui, oui. Oui, non, mais bon. Voilà. Effectivement. On va essayer de pas l'utiliser à outrance, mais. Mais un peu quand même. Ok. Ne serait-ce que pour voir un peu à quoi ressemblent les trucs qu'on peut choper. Pour l'instant, on va looter un peu de tout. J'ai combien de flèches ? 24.
Ça ira. Normalement, ça devrait aller. Je ferais mieux d'aller inspecter les ruines. Oh, les caisses. Oh, les caisses de matériaux. Ah, deux matériaux. Ah. Bon, on loot comme on peut, hein, pour l'instant. Ok. Oui. La lune. Après, on voit une petite différence entre les graphismes, la tête de Lara in cinématique et avec les graphismes in game. Un peu moins de détails. Mais bon, après c'est parce que c'est vraiment bluffant, je trouve, au niveau cinématique. La clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Voilà. L'entrée doit être là-dessous. C'est parti pour le plongeon. Bon, faut okay. Rien que je descende. Ok, ok. En tout cas, ça va mieux ta jambe. Ouais, bon, on va dire que ça va mieux. Comment je descends, moi? Comment je descends gentiment? D'accord. Appuie sur clic droit ou clic gauche pour descendre en rappel. Bon, ça devrait marcher. Ah ouais! Ah ouais! Stylé, ça. Cool, le côté escalade est un peu plus réaliste entre guillemets, enfin, okay, alors... un peu plus détaillé. Ouais, ouais, vas-y. Tout va s'effondrer, mais ça, je suis habitué. Ah non, l'encodage, non, non, l'encodage, non. Sécuriser toute la zone. Dès que le docteur Dominguez sera là, on entrera tous ensemble. Du coup, là, je fais ça. Non, mais, ah oui, descends. Est-ce qu'il faut que je maintienne le clic droit? Non. Calme-toi, Lara. Ouais, je crois que c'est elle qui a reculé, mais je reculais instinctivement moi aussi. Ok. D'accord. À toutes les unités, tenez-vous prêts. Le docteur Dominguez est en chemin. Oh non, je dois me dépêcher. T'inquiète, Lara, ça va le faire. Normalement, ça va le faire. Ah, attendez, appuyez sur Q et D pour vous déplacer en avant et en arrière pour accumuler assez d'élan pour sauter plus loin. D'accord. Ok. C'est bien foutu l'escalade, j'aime bien. J'aime bien pour l'instant là. J'aime bien ce que je vois là. Oui, non, mais j'ai compris, il faut que je fasse ça, mais. Ah oui, du coup là, il va falloir que je me penche en haut en bas. Ouais, voilà. Nice. Mon jeu préféré, ça. Ça va prendre encore deux. Hein? Ah, il faut que je m'en tienne. Ok. Oui, je pense que ça passait, hein, mais. Voilà. Ok. Jonah, j'entre dans une cabine. On risque de perdre le contact. Bien reçu. Je vais surveiller les trinitaires. Des champignons, un bolet. D'accord. Une recette d'herboriste d'endurance. D'herboriste d'endurance. Ah ah. C'est clair, oui. Non mais l'encode. Bon, désolé hein, pour les lags qu'il y a sur cet épisode. Cette caverne a l'air d'être souvent inondée. J'essaierai de faire en sorte qu'il y en ait moins, moins dans le prochain. Voilà. Oh les rats. Ah c'est pas des rats. Attends, si c'est des rats. Si c'est des rats. Les bas-reliefs sur ce monolithe Maya sont beaucoup trop abîmés pour être déchiffrés. Ah. Ah. D'accord. Non, c'est pas une question de maîtrise de la langue. Juste. Est-ce que j'ai le droit de tuer les rats? Enfin, sûrement, mais oui. Mais est-ce que ça m'apporte quelque chose?
Encore faut-il que j'y arrive. Ah, attendez. Non ? Y'a pas un rat qui veut ne pas bouger là ? Un rat qui veut être cobaye ? Bon, on aura l'occasion de tuer des animaux plus tard. De toute façon. Examinez les fresques pour améliorer votre savoir antique. Je crois. J'aurais dû tout lire, mais je sais. Plus un point de compétence, nice. C'est plus le clic molette. Avant c'était le clic molette, maintenant non. D'accord. Ça simplifie les choses. Graou. Non, j'ai tout vu ici visiblement. Mais là par contre, ouais. Hein. J'ai vu, hein. Ok, alors. Parce que là, ça, là, hein. Ouais. C'était un piège. C'est cool s'ils ont mis des pièges aussi. Sifflement dans la pénombre. Triser 5 sculptures et de siffler de la mort. Ah, j'ai pas vu s'il y en avait là-bas. Possible, hein, mais... C'est quoi tous ces bruits de la maison, là? Merci pour la lumière. Je peux pas vous viser. Vous avez de la chance que je peux pas vous viser, hein. Sinon, petite brochette de rat, là. Je suis sûr que ça fait de la viande. Mais où je suis tombé? Au même point que l'encodage. Oui. Non mais l'encodage. L'encodage qui est un peu plus dans cette zone, ça y est. Je pense qu'on va s'arrêter ici, comme ça moi je vais pouvoir régler le problème d'encodage là. Hein. L'eau est magnifique. J'aime beaucoup l'eau de cette caverne. Maintenez espace en nageant pour monter, contrôle G pour plonger. Sur mage gauche ou maintenez clic droit, clic gauche pour nager plus rapidement. Ok. What the fuck? I'm Batman. Des cellules. C'est un reflet, ça? D'accord. Alors, il faut se méfier, parce que maintenant que j'ai vu qu'il y avait une corde avec un piège, je me méfie, quand même. Après, ça se trouve, c'était pas un piège, hein. Je sais pas la probabilité que ce soit pas un piège, mais peut-être. Bon, j'en ai peut-être raté une dans la première salle, mais bon. Au pire. Hein. Ah ouais, l'eau. L'encodage, il aime pas. Hein. Non mais, de toute façon, voilà, on va s'arrêter dans cette zone. Je vais juste fouiller un petit peu la zone. Histoire qu'on puisse foncer en nageant dans le prochain épisode, et comme ça au moins, voilà, si jamais je retrouve des trucs pendant que je fais mes tests, bon bah, tant pis, mais normalement on aura tout vu. Y'a rien là-dedans? Hein. Parce que là, on veut clairement que je nage, je pense. Ah, quoique. Ah, matériel manquant. Il nous faut un couteau renforcé. Ok. Ok. Bon, bah, j'imagine que ça va être l'objectif dans la zone. Le truc à trouver. Tandis qu'un petit récipient en céramique. La précolombienne semble représenter deux dieux en pleine conversation. En revanche, je n'arrive pas bien à déchiffrer les glyphes gravés entre deux. Alors maintenant, ça s'ouvre plus automatiquement, c'est... Il faut regarder. Ça sent la moisissure. Ah, bon, ça nous aide pas à déchiffrer de quel dieu il s'agit, mais bon. C'est un peu dommage quand même pour le changement de voix. Hein. Mais bon, je m'y ferai. Hein. C'est vrai que du coup, là, forcément, je le remarque, quoi. Je l'entends, mais bon.
Ok. Hop. Très bien. Bah maintenant il me reste plus qu'à aller dans l'eau. Hein. Quand même fou toutes ces chauves-souris là. Ok. Non. D'accord. Très bien. Bah écoutez. Ah ouais, là, il y a l'arbre à un chemin là. Il y a potentiellement un chemin. Ah oui, bah il y a clairement un chemin là. Alors attendez. C'est contrôle. Hein. Comment ça marche? Je vois pas de barre de respiration. Ah, sous l'eau, non, ça va. Ah si. Ça y est, là, je lag. Il suffit que je le dise. Mais comment... Attendez. Comment on sait quand elle a plus d'air? Comment on sait? C'est en fonction de quoi? On a un indicateur... Ah, voilà. Ok. Non mais au moins je sais quoi maintenant. Au moins je sais que quand elle a plus d'air et la musique s'emballe, voilà. Tu comprends qu'elle veut respirer. C'est plus important. Finalement c'est plus important. Bon. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode numéro 1. Notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider. J'espère régler les soucis de lag que vous avez. Parce que moi je les ai pas. Hein. C'est juste OBS qui est en mode MDR, non? J'arrive pas à le charger le jeu. Parce que je ne sais pas. Et voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.